Pendant ce temps, papoum, 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 pendant ce temps, pendant ce temps, sur le bateau des pirates. Bon, alors, on recompte. 7 pour la planche, 1 pour la bouline, 3 pour le chevalet et 54 pour être attaché au grand mât. Mais comment ça, 54 pour être attaché au grand mât? Ah oui, pardon, il reste encore un petit papier dans le fond du sac. 55. Non mais, enfin, comment voulez-vous qu'on accroche 55 personnes au grand mât, Bosco? Vous réfléchissez un peu avant de dire des bêtises ou quoi? Ah bah ça j'en sais rien, capitaine. C'est pas moi qui ai eu l'idée de faire voter les prisonniers. Mais je sais pas, moi ça me paraissait moins barbare. Un pirate avec des principes, quoi. Bon, et si on les installait les uns au-dessus des autres le long du mât? Oh mais oui, et pourquoi pas à tour de rôle aussi? Ah c'est pas bête. Bon, écoutez, on va pas y passer 3 marées, vous intervertissez. Comment? Eh ben, celui qui voulait la bouline, là, vous lui filez le grand mât, les 55 à la planche, vous leur dites qu'ils avaient mal compris, et puis, vous démerdez, quoi. Ah ouais, donc vos principes... Pardon, Bosco? Ben, c'était bien joli, votre idée sur le papier, hein, mais bon, quand... Bon, alors, on fait le tour de rôle, hein, 24 heures divisé par 55, ça fait 26 minutes par personne, donc voilà, vous accrochez le premier, puis vous leur dites de se démerder pour la suite. Alors, moi, je vais dans ma cabine, ça m'a bien saoulé, là. Wow, mais comment il est trop fort en calcul mental, le capitaine!